Salut tout le monde, c'est Namsti, aujourd'hui on se trouve sur Jailbreak, voilà, c'est okay, sur le titre, voilà, c'est ça qui est ça, et donc let's go, on va aller sur Jailbreak qui est juste là, ça fait super plaisir, et donc je fais une vidéo sur ce jeu parce qu'il y a eu une mise à jour il y a quelques temps en fait, il y a une journée, ou bien moins d'une journée, voilà, un truc comme ça, donc ok, on se met en prisonnier bien sûr, faut pas oublier que j'ai des ailes et de gants infinis maintenant, c'est incroyable, et même des lunettes. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ah oui, ce qu'il nous faudrait, c'est plutôt la SUV là-bas. Parce qu'en fait, c'est cette voiture qui est toute nouvelle. En gros, en fait, je vous explique. Dans le jailbreak, quoi? Il a traversé le mur. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans le jailbreak, en fait, il y aura 5 voitures au cours de 5 jours consécutifs, tout simplement. Donc aujourd'hui, il y a cette SUV qui est sortie. Ah, il est en train de me frapper. Pourquoi il me frappe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Arrête de me frapper. Je suis pas si. Ok, c'est bon, on lui prend la petite carte, vite. Ah yes, c'est bon, j'ai réussi. Bon, parce que l'autre là, il allait le finir sinon. Donc c'est bon, let's go, on a la petite carte. On va descendre par ici, tout simplement. Ouais, j'espère juste qu'il n'y aura pas le policier là, parce qu'il y en a un. Et donc, bah, c'est cette voiture qui est toute nouvelle en fait. Donc, est-ce que je peux l'acheter? Ouais, je peux l'acheter, j'ai 111 000, du coup, il me restera que 2 000 $. Ouais, d'accord. Bah, franchement, moi, je pense que ça sera un petit mélange entre une Lamborghini, vu que ça coûte 100 000, et une SUV, quoi. Et donc, ça pourrait être vraiment stylé. On peut voir aussi qu'il y a 4 places, 1, 2, 3, 4, voilà. Simplement, et donc, ouais, on va acheter ça. Let's go, c'est la Lamborghini Urus, pour ceux qui savent pas. Et c'est bon, on l'a acheté, ça fait plaisir. Donc je pensais pas l'acheter en fait, mais finalement si, je l'ai acheté. Donc voilà, ça fait plaisir, on est dans la petite voiture. Et ça va, elle est rapide. Ouais, elle est plutôt rapide, en plus j'ai pas amélioré. Parce que si on va dans le garage en fait, je peux l'améliorer encore plus avec l'engine level 5. Donc pour de vrai, j'ai l'impression que cette voiture est plutôt très bien hein. Ouais, plutôt très bien. Là, je l'ai amélioré au level 5 normalement. Ouais, ouais, c'est bien un mélange entre une Lamborghini et une SUV en fait. Ouais, ouais, je vois. Oh, c'est vraiment le cas. Ouais, je vois. Ouais, franchement, ça fait l'affaire. Ça va, ça va. Pour 109 000 $, c'est plutôt une très bonne voiture, hein, je vous dirais. Franchement, si vous avez 109 000 $ et que vous n'avez pas de Tesla Roadster, de voiture ultra rapide à 600 000 et tout, franchement, ça, c'est super bien pour une première voiture. Bon, je vous dirais déjà, acheter la Tesla. C'est normal quoi. Et puis après vous pouvez acheter cette voiture. Plutôt voilà. Plutôt vraiment ultra bien je dirais. Ouais. Pas besoin d'acheter la Lamborghini du coup. Pour ceux qui débutent le jeu. Ah ça c'est bon à savoir. Donc les gars nous on va aller à l'endroit là où il y a la radioactivité. Ah, en plus c'est vraiment tout terrain en fait cette voiture. Genre limite c'est un monster truck ce truc. Mais c'est super bien je trouve. Bon, par contre c'est pas ouvert. Donc ça va pas le faire. Allez, ouvre-toi, vite. Vite, ouvre-toi. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'argent, d'accord? Parce que là, je suis paumé à 2 323 $. C'est incroyable. Wow. Bon, pour de vrai, je suis d'accord que la moto du futur à 1 000 000 et tout, ouais, c'est meilleur. Mais bon, en tout cas, si vous n'avez pas de voiture, quoi, tout simplement, vous pouvez acheter celle-là. Franchement, comme j'ai dit 10 000 fois dans la vidéo, elle est super bien. Est-ce que c'est ouvert, ça, au moins? Hein? Est-ce que c'est ouvert? Non! Mais... Ah non! Mais non! Il est en train de m'attaquer! Oh non! Mais non! Il m'a tué! Ah le bâtard! Mais non! Pourquoi il m'a tué? Ok les gars, on est retour au musée là! Avec notre Voltbike, hein, notre moto du futur, on avait super plaisir, qu'on avait acheté en fait. Bon, voilà, voilà. Ok les gars, il y a quelqu'un qui approche. D'accord, c'est un criminel. Mais bon. C'est un criminel, ça passe. Tant que c'est pas un policier. Hein. Franchement, ouais, ça me va. On va braquer ce petit musée. Et ouais, c'est ça qui sort. Ok, let's go. Bon, par contre, j'ai pas d'armes sur moi. Ça va pas le faire, ça. On est d'accord que ça va pas le faire. Bon, let's go. On va prendre les deux tableaux juste ici. On y va. Ah, j'ai déclenché l'alarme. Super. Les flics sont avertis maintenant. Ça fait plaisir, franchement, Jean-Michel. Ok, let's go, les gars. C'est ouvert. Par contre, j'espère qu'il y a pas de flics. Ouais, on est d'accord. Du coup, let's go. On va en haut. On va prendre la moto du futur et c'est mardi. On se casse d'ici. Ah, ça fait plaisir. Franchement, après une dure journée comme ça, rien de mieux que défoncer un musée. Du moins, voler un musée. Cambrioler un musée. Ouais, vous avez compris quoi. Ok, let's go. On rentre par là comme des thugs et on dépose l'argent. Et ça nous fait 6 400 $ dans la poche. Voilà, super. On va aussi cambrioler Monsieur Donut.
Et voilà, il nous a donné deux. Mais bon, on va quand même le cambrioler. Let's go, donne-moi tout ton argent. Plus vite que ça. Allez, Baptiste. D'accord, c'est bon, une balle. Comment ça, y'a pas d'argent? Est-ce que tu veux que je snap le gant de l'infini? Comme ça, il n'y aura plus personne qui existera. 3, 2, 1. Ah, j'avais oublié que c'était des fausses pierres. Oups. J'avais oublié que c'était des fausses pierres de l'infini. Let's go, on prend le petit hélicoptère. Et franchement, moi je trouve, bah, pour ceux qui veulent acheter un véhicule de début pour Jailbreak, pour ceux qui n'ont pas de véhicule à 600 000, à 1 million ou 4 milliards, ouais, non, même s'il n'y en a pas d'un million, bah, je vous conseille fortement cette SUV Lamborghini. C'est bien ça. Ouais, c'est la Lamborghini russe. Donc, voilà, c'est ça qui est ça. Et donc, nous, on est avec notre petite hélicoptère, mais on est en train de cogner un building, carrément. Et on prend le camouflage le plus discret de tout New York City, tout simplement. Voilà, donc, ouais, bah c'est super. Hein. Franchement, c'est super. Le camouflage le plus discret au monde. Ah, pour de vrai, je trouve que Jailbreak, c'est vraiment ultra, ultra bien, mais sauf que, genre, ça, en fait, je trouve pas vraiment que ça fait comme une ville. Je trouve surtout que ça fait comme un village. Bon, c'est vrai que les bâtiments sont ultra géants et tout, mais bon, après, ça serait mieux si on avait un peu plus, ouais. Voilà, un peu plus autour, comme ça. Ouais, mais bon. Oh mon dieu, il y a le bateau là-bas. Est-ce que j'arriverai à temps? Je pense que non. Mais vas-y, on va quand même essayer. Ok, let's go, on y va. Ah non, on peut pas. Je me fais des dégâts. Le bateau est parti. Pourquoi? Oh, vas-y, on va cambrioler le gars là dans le phare. Est-ce qu'il y a un gars dans le phare déjà? Je sais même pas s'il y a un gars dans le phare. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gars. Hein. Et il sert à quoi le phare en fait? Je sers à quoi tout simplement? Je sais même pas, il sert à quoi? Franchement, je vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout, il sert à quoi? Sérieux? Mais attendez, il flotte? Ah non, c'est bon, ok. Ouais, non, il y a du sable. Bah, ok, j'ai cru qu'il flottait en fait. J'ai cru que c'était une armée d'hélicoptères magiques venus du futur. Voilà. Ok, les gars, j'ai une petite idée. On va juste vérifier ce qu'il y a là dans cette base. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de nouveau ou pas. Mais bon, en tout cas, on va prendre le costume là pour y rentrer. Let's go. Pas ça, je vais aussi prendre le shotgun. J'espère qu'il n'y a pas de flic. Vite. Enlève le ragdoll. Voilà, c'est bon. Si prendre les pantalons, je sais pas. Si les deux sont obligatoires. Mais bon, let's go, on se casse. On a pris les petits vêtements et on se casse. Donc on va rentrer là-dedans par effraction, bien sûr. Hein. Ouais, comme chaque bon citoyen de Jailbreak. Ouais. Ah oui, j'avais oublié que je pouvais pas rentrer là-dedans. J'avais oublié que j'avais pas la carte parce que l'autre m'avait tué. Bon, ouais, je pense qu'il y a rien de nouveau ici à part cette flèche. Je pense qu'il y avait déjà cette flèche, mais pas exactement comme ça. D'accord. Là, on peut voir un chat. Un chien, d'accord. Un chien militaire. Ça fait plaisir. Je l'ai même pas vu, lui, en plus. Ça, c'est incroyable. Et on peut aussi descendre ici en... What? Je crois que je traverse le truc, là. Et là, on peut balancer une nuque. Du coup, les deux, c'est ce qu'on va faire. Et bah non, c'est une blague. On va pas balancer une nuke. Parce que pour balancer une nuke, bah, ça coûte 20 000 Robux. 20 000 Robux qui est, si je me trompe pas, wow, 200 euros. 200 euros ou 100 euros pour balancer une bombe nucléaire. Bah, franchement, je préfère atteindre les niveaux 50. Parce que quand on atteint le niveau 50, dans Jailbreak aussi, on a la même chose. Voilà. Bon, en gros, on peut balancer une nuke. Mais bon, on va faire nos. Et ouais, bon, voilà. On a placé de l'uranium là-dedans. Ah, je me demande si on peut ramener l'uranium là, genre du cambriolage et tout. Il y a aussi ce jet là. Et bon, pour de vrai, je préfère l'hélicoptère. Parce que c'est plus maniable, je trouve. Ouais, beaucoup plus maniable. Ouais, bon, bah, les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était juste une petite vidéo, genre, pour vous montrer cette voiture magnifique. Voilà. Qui est la Lamborghini russe. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes si vous aimez la voiture, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui sort. Et voilà. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde et...